Une force de la nature. Voilà ce qu'est devenu Feel Like Dancing après ses deux premières saisons de monte au Haras du Lion, qu'il a recruté en Angleterre chez John Gosden en fin d'année de 3 ans. Feel Like Dancing était très attendu en 2015 avec la naissance de sa première génération de foals. Il a satisfait les éleveurs et les vendeurs à tel point que le jeune étalon dépassait déjà les 50 réservations à la mi-mars 2016. Oui, j'ai vu pas mal de produits de Feel Like Dancing, notamment au show AQPS du Lion d'Angers 2015. Les poulains ont de la taille, ils sont puissants et très plaisants, ils se déplacent bien, ils ont de l'os, bref, ils ont tout pour faire des chevaux d'obstacles. En effet, ce cheval au profil polyvalent rentre dans les critères pourtant très rigoureux de la commercialisation des produits outre-Manche. La production de Feel Like Dancing a comme particularité de la taille, de l'os, soutenu sous le genou et avec des bons dos, ce qui a justifié une commercialisation à l'amiable de certains éleveurs et un intérêt important lors des concours locaux. Ces acquéreurs sont étrangers ou quand même des professionnels français. Parmi les entraîneurs, on retiendra Guy Chérel et parmi les courtiers étrangers, Seamus Murphy. La qualité des modèles transmis par Feel Like Dancing, qui frôle lui-même le mètre 70, est la première étape cruciale qu'il devait franchir au Haras après avoir réussi ses examens en piste. Cet élève de la richissime anglaise Lady Bamford, la gagnante du prix de Diane 2015, a prouvé sa classe et sa combativité en deux grandes occasions à 3 ans. Revenant de l'arrière-garde tout à l'extérieur, il conclut deuxième de Leading Light dans le Queen's Vase lors du meeting de Royal Ascot. Dans la foulée, parti cette fois en tête, il remporte de bout en bout très courageusement le Bahrain Trophy Group 3 à Newmarket. Dancing Jathaba, a constant pest on the near side, getting closer again as the line comes up. Havana Beat on the outside, Feel Like Dancing. Feel Like Dancing est né du croisement magique Galileo sur Darshan. S'il serait trop long de citer tous les succès des deux chefs de race en plat, on peut mettre en lumière l'aspect obstacle chez Galileo, père de Soldier of Fortune, désormais exporté en Irlande, et plus généralement chez Saddle Swells, le père de Galileo donc, mais aussi de Polyglot, Saddlemaker ou Monjeu, lui-même auteur de Montmartre et Walk in the Park, lui aussi acheté à grands frais par les gens de Coolmore. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Feel Like Dancing présente un atout, un intérêt grandissant d'utiliser le sang de Galileo avec une mère par Darshan pour une vocation mixte, plat ou obstacle. Profitez de cette opportunité offerte dans l'Ouest. Physiquement, Feel Like Dancing a beaucoup impressionné les observateurs en 2016, au Salon du Lion ou lors des visites au Haras, qui accueille d'ailleurs chaleureusement les éleveurs désireux de le redécouvrir.